est José Lavigueur et bienvenue dans le monde du step aérobic. Un entraînement complet et efficace qui vous aidera à brûler des graisses et qui donnera aussi beaucoup de tonus à votre corps. L'entraînement en step est particulièrement efficace pour affermir les muscles des cuisses et les muscles fessiers. Nous commencerons l'entraînement par un échauffement pour ensuite entreprendre 20 minutes de step qui seront suivies d'un segment de raffermissement musculaire pour les membres supérieurs et les abdominaux. Nous terminerons bien sûr par un bon segment d'étirement et de détente. Si au début les 20 minutes vous semblent trop longues, commencez tout simplement par 10 minutes et lorsque vous vous sentirez confortable, vous pourrez progressivement allonger l'entraînement. Après quelques semaines, si vous désirez un défi un peu plus grand en termes de complexité et d'intensité, vous pourrez allonger le segment cardio-respiratoire à l'aide d'une partie de 10 minutes qui est inclue à la toute fin de ce vidéo. Vous vous demandez peut-être à quelle hauteur vous devriez installer votre step. Je vous suggère de commencer au niveau le plus bas. Lorsque vous serez confortable avec les enchaînements, vous pourrez augmenter la hauteur du step. Vous pouvez même, si vous vous considérez comme une personne débutante, faire toutes les routines sans step. En step, toutefois, augmenter la hauteur signifie augmenter l'intensité. Il ne faut jamais diminuer l'angle de plus de 90 degrés au niveau des genoux. Si vous vous sentez fatigué ou si vous avez de la difficulté avec un enchaînement, vous pouvez d'abord diminuer la hauteur du step. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appellera un tap-up, comme ceci. Ou vous pouvez encore marcher derrière le step. Tout au long de l'entraînement, il vous faudra vous souvenir de quelques conseils de sécurité. D'abord, maintenez une bonne posture en tout temps. Les genoux sont légèrement débarrés, les épaules sont projetées vers l'arrière et les abdominaux sont constamment maintenus. Lorsque vous montez sur le step, déposez le pied en entier au centre de la plateforme. En montant, mes genoux sont souples. Lorsque je redescends, je déroule le pied des orteils au talon à chaque fois. Regardez mes pieds et essayez avec moi. Montez pied droit, montez pied gauche, descendez droit, descendez gauche. Montez droit, montez gauche, descendez droit, descendez gauche. Pour pouvoir changer de jambe, il nous faudra faire un tap au sol et ramener tout de suite ce même pied sur le step. Essayons. Montez pied droit, montez pied gauche, descendez droit, descendez gauche. Montez droit, montez gauche, descendez droit, tap pied gauche. Montez pied droit, descendez gauche, descendez droit. Montez pied gauche, montez pied droit, descendez gauche et tape pied droit. Nous ferons d'autres pas pendant l'entraînement, mais je vous les expliquerai au fur et à mesure. Les fréquences cardiaques seront prises à la fin de la période aérobique. Pour ce faire, vous placez l'index et le majeur à l'intérieur du poignet ou à l'intérieur du cou. Lorsque je vous le dirai, vous comptez toutes les pulsations que vous sentirez. Je vous dirai quand arrêter. N'oubliez pas, si un exercice vous cause une douleur quelconque, ne le faites pas. C'est un signe naturel que le corps vous envoie pour vous indiquer que quelque chose ne va pas. Tout au long de l'entraînement, buvez beaucoup d'eau. Buvez avant, buvez pendant et buvez aussi après. Si vous êtes prêts, nous attaquons l'échauffement. Oh, et j'allais presque oublier le point le plus important. Amusez-vous! Échauffement. Je suis en compagnie de Shelly, de Betty et de Sylvain. Encore une fois comme ça, on prend une grande inspiration. Et une dernière fois, on inspire. Hop. On ouvre les jambes et on balance vers la droite. Pliez. Hop. Il faut bien bouger, bien activer la circulation. Baissez les bras de chaque côté pour 4. 3, 2, amène le talon vers l'arrière pour 4. Et 3. Et 2, la même chose, on balance pour 4. 3, 2, le talon vers l'arrière, 4 fois. Et 2, attention, step touch vers la droite, les mains sont aux hanches. Hop, hop, bon plié, on prépare bien les muscles des jambes, 4 autres. Un pas vers la droite et tirez 4 fois avec la jambe gauche, et 4. Et 3,
et 4 step touch vers la gauche. Et 2, et 3, tirez 4 fois vers la gauche. Hop, et 2, hop, et 4 step touch, et 1, et 2. Le même mouvement, on ajoute les bras, tirez pour 4, et 3, 4 step touch au centre, et pousse avec les bras. Tirez vers la gauche pour 4, hop, et 2. La même chose. Cette fois-ci, on va remplacer le step touch pour 4 talons sur le step. Maintenant, c'est 1 et 2. Vers la gauche. Hop, tirez 4. 3, 2, talons sur le step pour 4. 3, du début, on balance vers la droite. C'est parti. Plié. 2, 3, talons vers l'arrière. Ça va ici? La même chose. Plié 4 et 3 et 2. Talons vers l'arrière pour 4. Tirez 4 fois vers la droite, c'est parti. 1 et 2. Step touch, talon sur le step pour 4. 3, 2. Tirez 4 fois vers la gauche et 1 et 2. Talon sur le step. On enchaîne avec un autre pas. C'est 3 pas vers la droite. Maintenant, c'est 1. Step touch ici et hop. Et vers la gauche, hop. Step touch ici. La même chose cette fois, on monte sur le step ici. Et on s'en va vers la gauche. Hop! Super! La même chose à droite. On va rester au bout. Restez ici pour 3. Encore. 2 autres. Un dernier. C'est talon sur le step. Hop! Et tire. On en compte 2 autres. On s'en va vers les étirements. Et restez ici. Garde le pied sur le step. On s'appuie sur la jambe qui est fléchie. Le dos est plat, plat, plat. On tient pour 4. 3, 2. Transfère le poids vers l'avant. Les pieds sont sur 2 lignes bien parallèles. Sentez bien l'étirement dans le mollet. Et on transfère les hanches vers l'avant. On va chercher ses mains dans son dos. Pousse les bras vers le haut. On échauffe un peu les épaules. Restez là. Face à moi, dos plat et dos rond. Bon appui sur les cuisses. Hop. Encore en bas. Attention, tap, pop, tap down. Sur le step, c'est hop. En bas. Hop. Même chose. Et on va refaire le tout. Complètement à gauche, alors 3 pas à gauche, c'est 1. Tap, hop, tap, down, en haut. Restez ici pour 2 encore. C'est 1 et 2. Le talon sur le step. Hop, talon, hop. Même chose. 2 encore. Préparez-vous à arrêter. Attention, le talon sur le step. Dos plat. Tire les orteils vers soi. Sentez bien l'étirement derrière la cuisse. On étire les ischio-jambiers. On transfère le poids devant. Le talon loin derrière. On s'appuie devant pour 4, 3, 2. Bascule les hanches. Hop! On va chercher ses mains devant. Arrondis le haut du dos. Restez là pour 4. Bien. Face à moi. Dos plat et dos rond. En bas. Et hop! Beaucoup, beaucoup de bien. En bas. Et tap up, tap down. Sur le step en haut. Et hop! Encore 2. C'est 1. Et on marche derrière le step jusqu'au centre. On inspire. Et on va enchaîner dans quelques secondes avec la partie aérobique. On est prêt à poursuivre notre entraînement avec le segment aérobique. Alors, on y va avec un pas de base qui s'appelle montée-pied droit. Attention. Dans 4, 3, 2, c'est parti. Hop. Hop. Le pied bien au centre de la plateforme. Tap down, montée-pied gauche. Hop. Excellent. Même chose. 2 fois encore. Tap down, montée-pied droit. Avec les bras, si vous voulez. Hop. Même chose. Encore 2 fois. Hop. Tap down, montée-pied gauche. Les bras s'en vont de côté. Hop. Encore 2 fois. Hop! Attention, tap down, montez pied droit. Pour 2. Hop! Montez pied gauche. Pour 2. Hop! Et pied droit. 2 fois. Pied gauche. Dernière fois. Attention, préparez-vous. C'est un partout. Un partout. Si vous voulez ramener les mains aux hanches. Hop! 2 fois encore. Et on ajoute un petit tendu vers l'arrière. Hop! Tendu derrière. Hop! Tendu derrière. Bien. Et ce tendu s'en va juste un petit peu de côté. Excellent. Hop. Même chose.
Et on ramène les jambes ensemble. Ça devient un turn step. Excellent. Hop! Regardez régulièrement votre step. On ajoute les bras. Ramène aux hanches. Ramène aux hanches. Hop! Même chose. Les bras s'en vont plus vite. Hop! Out! Ensemble. Hop! Out! Deux fois encore. Yeah! On poursuit. On fait trois turn steps. Deux. Un autre. Restez ici. C'est un plié sur le step. Et c'est parti. Hop. Deux. Trois. Plié sur le step. Même chose à nouveau. Hop. Et deux. Encore un. Plié sur le step. La même chose vers la gauche. On y va. Hop. Deux. Un autre. Plié sur le step. Et une dernière fois, préparez-vous à enchaîner. Et deux. Encore un. Restez ici plié. Attention, genou hop. Trois fois. On lève le genou droit. Deux. Encore un. On passe par-dessus le step. Même chose. Jambes inverses, genou hop. Un. Et deux. Encore un. Passe par-dessus le step. On reprend. Genou hop. Et un. Vous n'ajoutez les bras que lorsque vous êtes prêt. Passe par-dessus. Quand vous êtes parfaitement confortable avec le jeu de jambes, alors vous pourrez rajouter les bras. On passe par-dessus et on reprend turn step. C'est parti. Et un. On en compte deux encore. Un dernier. Plié sur le step et genou hop. Trois fois. C'est parti. Hop. Et deux. Encore un. Passe par-dessus. La même chose. Un. Souvenez-vous de la posture. Les abdominaux sont bien maintenus en tout temps. Par-dessus. La même chose. Genoux. Trois fois. Et deux. Encore un. Par-dessus. Une dernière fois. Hop. Et deux. Encore un. Et on passe par-dessus. Turn step à nouveau pour trois. Et c'est parti. Bien. Deux. Encore un. Les bras bien solides. Pliés sur le step. Genoux hop. Trois fois. Et c'est un. Et hop. Encore. Et par-dessus. La même chose. Jambes inverses. Hop. Et deux. Bien solide. Trois. Par-dessus. On enchaîne tout de suite avec le turn step. Et c'est parti. C'est la dernière fois. Encore. Restez ici. Plié. Genou hop. Trois fois. Et un. Et deux. Hop. Encore un. Par-dessus. La même chose. Et trois. Et deux. Et dernier. Attention, par-dessus. Face à moi, montez pied droit. Et hop. Ceci est une transition. On enchaîne avec la deuxième partie de cet enchaînement. C'est genou hop sur le pied droit d'abord. Hop. Bien. Hop. La même chose. Hop. Et on tourne juste un petit peu le genou de côté. Hop. Et ce genou-là va vous indiquer dans quelle direction vous devriez vous en aller. Alors, on suit le genou, les hanches et les épaules dans un bloc, face au genou, en diagonale. Encore deux fois. Maintenant, le même mouvement, mais on croise le pied derrière. Hop! Bien! Hop! Encore! On va rajouter les bras. Vous êtes prêts? Et le mouvement suivant s'appelle un repeater. On monte sur le pied droit et on lève le genou gauche quatre fois. C'est parti, on y va. Trois fois, hop, et deux, et trois, et sur l'autre jambe, c'est un, et deux, et trois. Même chose, c'est un, et deux, et trois. Une dernière fois, vous vous souvenez du pied croisé derrière? On y va pour quatre, et trois, encore deux, hop, et repeater à nouveau, trois fois sur la même jambe. Un, et deux, trois, croisé derrière deux fois. C'est bon. Repeat, la même chose. Hop. Et deux. Croisez derrière. Deux fois. Et un. Et attention, on reprend le turn step. Jambe droite. Turn step. Oh, oh. Deux. Encore. Plié sur le step. Genou hop. Ça va bien ici? Trois. À la maison, ça va bien, j'en suis sûre. Un autre. On passe par-dessus. Et on reprend. Souvenez-vous, ça peut nous prendre un certain temps à bien saisir les enchaînements. On passe par-dessus. Turn step à nouveau. Mais ce n'est pas grave.
puisque vous avez toutes les occasions possibles pour vous pratiquer. Pliez ici. Genou hop, trois fois. C'est un. Et deux. Encore un. Passe par-dessus. La même chose. Genou hop, trois fois. Et deux. Encore une dernière fois. Passe par-dessus. Et repeater sur la jambe droite. C'est parti. Trois. Et deux. Croisez derrière. Hop. Et repeater sur la gauche. La même chose. Un. Deux. Trois. Croisez derrière. Hop. Et turn step à nouveau. C'est parti. Hop. Bien. Deux. Trois. Pliez. Genou hop. Trois fois. Hop. Deux. Par-dessus. Hop. Trois genoux. Hop. J'espère que vous êtes confortable avec cet enchaînement. On passe par-dessus et c'est turn step sur la jambe gauche. Hop. Et hop. Un dernier. Restez ici. Pliez. Trois genoux. Hop. Hop. Deux. Par-dessus. La même chose, jambe opposée. Genou. Genou. Genou par-dessus. Repeater sur la jambe droite. C'est parti. Hop. Et deux. Trois. Croisez derrière. Hop. Et repeater une dernière fois. Trois. Deux. Croisez derrière. Hop. Et marchez derrière le step. Bien. Excellent. On prend une grande inspiration. Hop. Et pliez. Pieds joints. Pliez. Down. Down et marchez avec la jambe droite. Maintenant, hop. OK. On y va avec une deuxième partie de notre entraînement step. Betsy, ça va? Shelley, ça va? Oui. Sylvain? OK, attention. À mon signal, on monte sur le step, on lève les genoux en alternant. Dans 4, dans 3, dans 2 et on y va. 1, c'est hop. Et hop. Super. Hop. Encore une fois, je vous rappelle, ne faites pas les bras tout de suite si vous n'êtes pas prêt. Concentrez-vous seulement sur le jeu de pied. Deux comme ça. La même chose, mais on se déplace vers la droite. Hop. Deux pliés en haut. Pliez deux fois. On descend avec la jambe gauche. Et genou hop. Hop. Deux pliés sur le step. Bien. Descends avec la jambe droite. Même chose. Genou hop. C'est bon? On monte. Deux pliés. On descend avec la jambe gauche. Encore. Genou hop. Et on monte et pliez pour deux. Pliez pour deux. Descends avec la jambe droite. La même chose. Si vous êtes prêts, je rajoute les bras avec vous. Montez pour deux. Pliez. Descends des jambes gauches. Même chose. Les bras. Hop. Hop. Montez. Pliez. Maintenant, la même chose, mais on va changer. Ouh, pardon. Hop! Montez. Deux lunges au bout du step. On descend. La même chose. Lunge. Hop! Montez deux pas. Lunge au bout. Descends jambe droite. Ça va bien. Genou hop. Hop! Et hop! Montez pour deux. Lunge au bout. C'est ça. La même chose. Genou hop. Et on voyage vers le bout toujours. Montez. Hop! Descends. La même chose. Hop. Et hop. Montez. Deux lunges. On reprend. Encore deux fois. Hop. Et hop. Deux lunges au bout. Hop. Hop. Lunge. Lunge. Une dernière fois. Attention cette fois-ci. Montez deux. On va descendre au bout. Descendez au bout du step. Tap up, tap down. C'est trois. Et deux. Et attention, on traverse. Regardez bien votre step sur ce mouvement-là. Il est un petit peu plus risqué. Un troisième. On traverse. La même chose. Trois fois. On est prêt à rajouter les bras. Encore un. On traverse. La même chose. Une dernière fois. Et deux. Encore un. On traverse. Préparez-vous. On reprend du début sur la jambe gauche. Genou. Et oui. Deux. Montez. Deux lunges. Hop. On descend jambe droite. Même chose. Hop. On voyage vers la droite cette fois. Montez deux. Deux lunges. On reprend une dernière fois vers la gauche.
Hop! Ça va bien, je sens l'énergie jusqu'ici. Deux lunges, on descend au bout maintenant. Tap up, tap down. Pour trois. Et hop, deux. Encore un. On traverse. Hop. La même chose pour trois. Et deux. Encore un. On traverse. La même chose. Et regardez vos steps régulièrement. Deux. Oh, oh, trois. Et on traverse. Une dernière fois. Hop, trois. Et qu'est-ce qui s'en vient? Attention. On traverse et on reprend du début sur la jambe droite. Genou up. On voyage vers la droite. Deux pas en haut. Deux lunges. Et on descend, jambe gauche. La même chose. Hop. Ouh. On monte. Deux lunges. Hop. On descend. Une dernière fois. Souvenez-vous, la dernière fois, on descend au bout. Prêt? Down, down. Tap up, tap down. Pour trois. Et deux. Encore un. On traverse. Hop. La même chose. Jambe droite. Et deux. Encore un. On traverse. Un nouveau mouvement. On ouvre la jambe de côté. Pour trois. Hop. Encore deux. Hop. Un autre. Marchez avec la jambe gauche. Hop. Même chose. Genou. Hop. De côté. Deux. Encore un. Un mambo devant avec la même jambe. Oh! Jambe de côté. Trois. Et deux. Encore un. Le même mambo. Jambe gauche. La même chose. Préparez-vous. On change le mambo pour un pivot. Si vous voulez, évidemment. Vous pouvez garder le pivot. Oh! Et hop! On reste ici. Et si vous voulez, bien sûr, vous pouvez garder la marche. Pivot. Et du début, genou hop. On voyage vers la gauche. Et hop, montez deux pas, deux lunges. Oh! Descendez, la même chose. Hop! Hop! Encore, on monte. Deux lunges au bout. Descendez derrière. Une dernière fois, cette fois, on va descendre à gauche. Montez! Deux lunges. On descend à gauche. Tap, hop, tap, down. Trois fois. Hop! Et deux. Encore. Par-dessus, on traverse. Si la traversée du step vous semble trop difficile, vous pouvez facilement le faire derrière, comme je vais faire juste ici. Et jambe de côté. Hop. Et deux. Hop. Un autre. Marchez, jambe droite. Marchez. Jambe de côté. Trois. Et deux. Hop. Mambo devant. Hop. Oh. Encore. Ouh. Et deux. Un autre. Encore un mambo pour Betty. Hop. Hey. Encore. Jambe de côté. Trois. Et deux. Attention, un pivot pour Shelley. Hey. Genou hop du début. On y va. Hey. Ah. Ça s'en vient, Sylvain. Ça s'en vient. Hop. Deux lunges. Et on descend derrière. Même chose. Genou hop. Ouh. Hep. Montez. Deux lunges. On descend. Encore. Hop. Montez. Hop. Descendez au bout. Descendez au bout. Tap up, tap down. Un. Et deux. Attention. On traverse. Regardez votre step. Tap up, tap down. Pour trois. Et deux. Encore un. On traverse. La jambe de côté. Trois fois. Out. Et deux. Attention. On va tout de suite dans les mambo. Pivot, pardon. Jambe de côté, Betty, c'est juste pour toi ce mambo-là. Deux, encore un. Mambo pivot. Du début. Hop, genou. Et hop, montez. Deux lunges. Encore. Hop. Et hop, encore, montez. Deux lunges. Une dernière fois. Hop, et hop, et montez. Deux lunges, on descend au bout. Tap up, tap down pour trois. Et deux. Encore un. On traverse. Regardez votre step. La même chose. Tap up, tap down. Et deux. Encore un. On traverse. Jambes de côté trois fois. Oh, oh. Et deux. Encore un. Pivot sur la droite. Et oh, oh. Jambes de côté trois. Et deux. Wouh! Oui, oui! Pivot!
du début. Genou up. Pour Sylvain, une fois au complet. Montez. Deux lunges. On descend derrière. Genou up. Il va se sentir très négligé si on ne fait rien pour lui aujourd'hui. Une dernière fois. Hop. Et hop. Attention cette fois. On va descendre au bout. Descendez au bout. Tap up, tap down. Pour trois. Et deux. Un autre. On traverse. Hop. Tap up, tap down. Trois. Et deux. Encore un. Hop. On traverse. Jambes de côté, trois fois. Out. Ouh. Deux. Attention. Pivot, pivot, ici. Une dernière fois. On va terminer avec ce mouvement-là. Deux. Et pivot. Et marchez derrière le step. Marchez, on inspire. Et up et down, down, down. Même chose. Hop. J'espère que vous sentez bien le travail qu'on vient de faire. Préparez-vous à prendre vos fréquences cardiaques. Attention, l'index et le majeur. Prêt? Et go! Stop! Pour vérifier l'intensité à laquelle vous vous êtes entraîné, multipliez le chiffre que vous avez obtenu par 6 et consultez le tableau qui est à l'écran. Par exemple, si vous avez 35 ans, vous devriez vous situer entre 111 et 139 battements par minute. J'espère que le segment aérobic s'est bien déroulé. Souvenez-vous que le contrôle de l'intensité est là pour vous permettre de vous ajuster d'une fois à l'autre. Et on continue avec la récupération. 4 step touch, 3, 2 et 4 talons sur le step. C'est parti. 4, 3, 2, 4 step touch à nouveau. C'est 1 et 2 et 3. Talons sur le step pour 4. Préparez-vous à arrêter dans 2. Le talon reste là. Loupe là. Restez. Tirez bien les orteils vers vous. Et on transfère le poids vers l'avant. Les pieds sont sur deux lignes bien parallèles. On étire bien le mollet. Restez. Et on transfère doucement les hanches vers l'avant. La jambe arrière est pliée. Sentez l'étirement devant la hanche et devant la cuisse. Deux groupes musculaires qui ont travaillé énormément pendant l'entraînement step. Gardez la position pour 4, 3, pieds joints derrière le step. Pliez 1 et 2 et step touch à gauche. Hop, hop, talons sur le step pour 4, c'est 1 et 2 et 3. Step touch à nouveau pour 4, 3, 2, talons sur le step. On arrête à 4. 3. Le pied reste là. Double là. La même chose. On étire les ischio-jambiers, un groupe musculaire derrière la cuisse. Gardez bien la position. Le dos est très, très plat. Transfère le poids vers l'avant. On s'appuie devant. Pousse bien le talon au sol derrière. Vous devriez sentir un bon étirement dans le tendon d'Achille. Restez pour 4. 3. Et on bascule les hanches vers l'avant. La jambe arrière est bien pliée. On allonge les bras vers l'avant. Bon étirement pour le haut du dos. Restez pour 4, 3 et pieds joints derrière le step. Pliez et 2 et marchez, jambes droites ici. Marchez, on inspire. Et down. Même chose. Et hop. Et encore une fois. Hop. Et une dernière fois. Hop. Et on poursuit notre entraînement avec notre segment de raffermissement musculaire pour les membres supérieurs et les abdominaux. On amène les poids aux épaules et on pousse vers le haut. C'est parti. Hop. Et en bas. Évidemment, si vous n'avez pas de poids à la maison, vous pouvez travailler avec des boîtes de conserve et même sans poids. Les exercices se font très, très bien sans poids. On a fait deux autres et on pousse les poids vers le bas. La même chose. Poussez. Down. Tirez jusqu'au menton. Encore. Hop. On en compte quatre autres. Et c'est un. Et deux. Deux autres. On va faire un pas vers la droite. On va se tourner complètement de côté. En fente, lève les coudes derrière et extension. Et le muscle qu'on travaille maintenant s'appelle le triceps.
c'est le muscle qui est situé à l'arrière du bras. Essayez de maintenir une bonne posture. Les coudes restent à la même hauteur. 4 fois encore. 3. 2 autres. Préparez-vous, on fait un demi-tour complet. Prenez bien le temps de vous placer. Les poids sont maintenant devant vous. Et on va tirer les coudes vers l'arrière dans un angle de 45 degrés. Et on travaille le haut du dos. Essayez de penser à serrer les omoplates ensemble pour 4 et 3. Encore 2. Préparez-vous à reprendre le step touch à droite. Maintenant, et c'est up. Attention, on reprend le même enchaînement dans 2 et pousse les poids vers le haut. C'est 1 et hop. Bien. On travaille les deltoïdes, le muscle qui devrait remplacer les épaulettes qu'on place souvent dans nos blouses. Même chose, 2 fois encore. Hop! Et pousse vers le bas, la même chose. Pousse vers le bas. Encore. Hop! Ça va bien ici? Même chose. 4. 3. Encore 2. Et quart de tour vers la droite. Placez-vous doucement. Les pieds bien placés, on lève les coudes derrière et extension. Et extension. Les abdominaux bien maintenus. Allonge. 3. 2 fois encore. Hop! Et un quart de tour vers la gauche, doucement. Placez-vous bien, les poids sont devant vous et on tire. Hop! Excellent! Le muscle qu'on travaille présentement peut sauver beaucoup, beaucoup de maux de dos, particulièrement si vous travaillez assis toute la journée. 4 encore, c'est 1 et 2 autres. Attention, on reprend l'enchaînement une dernière fois. Step touch, on pousse en haut. C'est parti. Hop! Et hop! Bien! Bien contrôlé. 4 encore. Et c'est 1. 2 autres. Et hop! Et on pousse les poids vers le bas. La même chose. Si vous êtes plus confortable en faisant les mouvements de façon statique, sans bouger les pieds, vous êtes la bienvenue. On en compte 4. C'est 1. L'important ici, c'est de travailler les muscles des bras, 2 autres. On quart de tour vers la droite, tournez doucement. Lève les coudes derrière et extension, c'est parti. Hop! Et allonge les avant-bras, sans on a le prolongement du bras. Hop! La même chose. Ça va bien, c'est déjà la troisième série. Vous devriez commencer à bien sentir les muscles qui travaillent. Et il en reste 2. Attention, demi-tour complet dans l'autre côté. Doucement, place les poids devant vous et tirez. Hop, les omoplates ensemble. Hop, bien, tirez. Tirez. Encore même chose. Hop, et on en compte 4 pour terminer. C'est 1 et 2. 2 autres et un dernier. Excellent. Alors, on va ranger nos poids de façon sécuritaire de côté, loin du step. On va s'installer sur le step pour travailler les muscles abdominaux que vous connaissez sûrement bien. Les muscles sont situés évidemment sur le ventre et sur l'abdomen. On descend complètement sur le dos. Les pieds sont à plat sur le step. On amène les mains à la nuque et on monte. C'est hop et hop. Il est bien important de ne pas monter plus haut que ceci. Essayez seulement de dégager les épaules et les omoplates du step. Même chose. Hop. Et même si vous travaillez au sol, c'est les mêmes principes qui s'appliquent. C'est la même chose. On continue pour 4. C'est 1 et 2. Encore 2. Et on va lever la jambe avant. Tirez en ligne droite. Hop. Et hop. Bien. Pensez toujours à rentrer le ventre, à pousser le bas du dos vers le step pour 4. Et 3. Ce talon-là va s'en aller sur le genou. La même jambe. Étirez, croisez, hop. Et hop, bien, hop. On en compte 4 encore avant de changer de jambe. C'est 1 et hop. Encore 2. La jambe arrière s'en va vers le plafond. Et tirez en ligne droite. Et hop. Souvenez-vous, vous pouvez arrêter à tout moment et reprendre juste un petit peu plus loin si vous vous sentez fatigué. Hop, c'est votre entraînement. Hop. On place le talon sur le genou et on continue en croisant. Et c'est l'épaule qui s'en va vers le genou et non pas le coude. On va avoir tendance à pousser le coude vers le genou. Et 2 encore. Hop!
décroise les pieds, dépose les deux pieds au sol, on continue en montant. Hop! Cette fois-ci, on va vous montrer rapidement quelques alternatives. Shelley, derrière moi, va vous montrer la façon la plus difficile de faire travailler les abdominaux. Alors, comme vous voyez, elle va allonger les bras loin derrière elle, ce qui rend le travail beaucoup plus difficile. Et on va en faire pendant 5 minutes encore, hein, Shelley? Hop! Et Betty va vous démontrer la façon la plus facile, c'est-à-dire qu'elle va rapprocher ses bras sur elle. Voilà. Le travail est un petit peu moins intense de cette position-là. Et on en compte 4 autres. 4, 3, 2 autres. Et on va aller un petit peu plus vite vers le haut maintenant. Poussez. En haut, hop. Même chose pour 4, pour 3. Et croisez lentement vers l'avant et en bas, vers l'arrière et en bas. On peut ramener nos mains à la nuque. Et bien, hop. Même chose vers l'avant. Et hop. Encore une fois, hop. Et derrière. On est presque rendu, ne lâchez surtout pas, ça va très très bien. Le segment qui approche est le segment d'étirement et de détente. Une partie qui fait toujours encore beaucoup beaucoup de bien, qui nous détend le corps et l'esprit. Encore pour 4, 3, 2 autres. Et en ligne droite rapidement pour une dernière petite série. Hop, hop, sentez bien vos abdominaux. Hop, hop, hop. On en compte 4 encore. Retenez bien. Restez en haut. Inspirez bien. Et on relâche. Excellent. Vous pouvez allonger les jambes, détendre les bras. On prend de grandes inspirations. Voici déjà à la fin de l'entraînement pour le segment d'étirement et de détente. Rapprochez les pieds du step et on allonge doucement la jambe avant vers le plafond. Souvenez-vous que c'est un segment tout aussi important que les autres. La période d'étirement vous permettra de vous entraîner encore très, très, très longtemps, d'éviter les blessures, d'éviter les courbatures. Essayez d'approcher la jambe un peu plus près de vous et on amène doucement le pied flex. Les orteils vers nous. L'étirement est accentué au niveau du mollet dans cette position. Restez. Et on va déposer le talon juste au-dessus du genou, sur la cuisse. On va chercher derrière les jambes et tirer vers vous. Vous allez sentir l'étirement dans les muscles fessiers. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Un autre groupe musculaire qui a travaillé énormément pendant l'entraînement. Vous pouvez vous l'étirer encore un petit peu plus près. Ça fait aussi beaucoup de bien au niveau du bas du dos, cette position aussi. On décroise les jambes et on allonge la jambe arrière vers le haut. La même chose ici. Vous surveillez de ne pas avoir le genou barré, une toute petite flexion au niveau du genou. Et le pied flex. Certaines personnes auront moins de flexibilité et la jambe sera plus loin. Et c'est pas grave, l'important c'est de bien sentir l'étirement derrière la cuisse. C'est à vous de vous ajuster, c'est votre entraînement. Un petit peu plus loin peut-être. Et on va déposer le talon sur le genou de la jambe opposée. Tirez les jambes vers vous. Et on étire les muscles fessiers à nouveau. Restez là. Si vous faites cette période d'étirement depuis plusieurs fois déjà, peut-être pouvez-vous vous laisser guider simplement par ma voix et fermer les yeux et profiter d'un bon segment, d'une bonne période de relaxation. On n'en a pas souvent, alors prenez le temps de bien la faire. La jambe qui est tout près de vous, on va placer nos mains derrière la cuisse et on va s'aider de ces mains-là pour se remonter au bout du step. Très bien, on rapproche les pieds du step, les mains sont sur les genoux et on déroule lentement, vertèbre par vertèbre. Très bien, et on va se retrouver derrière le step. En plaçant le pied droit sur le step, on va basculer les hanches vers l'avant. On va en profiter pour étirer les épaules en poussant les bras vers l'arrière.
Gardez la position. Cet exercice étire un muscle qui s'appelle le quadriceps, qui est situé devant la cuisse, et un groupe de muscles qui s'appelle le psoas ilia, qui a travaillé énormément pendant cet entraînement. On relâche, gardez les pieds où ils sont. On va faire un quart de tour vers le mur de ce côté-ci et on s'appuie sur la jambe arrière. Excellent. Vous devriez sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Restez. Pour avoir un bon étirement, pour avoir un étirement efficace, il faudrait idéalement maintenir chaque position au moins 15 à 20 secondes. Et on relâche, on va changer les jambes. Placez le pied gauche sur le step. Bascule les hanches vers l'avant. On va chercher les mains devant. On arrondit les épaules. On détend le haut du dos. Concentrez-vous en même temps sur l'étirement du quadriceps et du devant de la hanche, les muscles fléchisseurs de la hanche. Et on relâche. Très bien. Tourne vers ce mur. On s'appuie sur la jambe arrière. Sentez bien l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Restez ici. Très bien. On relâche. On va ouvrir les jambes de chaque côté et on inspire. Hop! Garde les bras en haut, les mains sont jointes et on pousse juste un petit peu vers l'arrière sans cambrer le dos. Toujours en maintenant les abdominaux. Restez. On va chercher le coude gauche et on presse le coude vers le bas. La main est au centre du dos derrière. Et on étire le triceps dans cette position aussi, le triceps qui se situe en arrière du bras. On amène le bras devant et on étire le deltoïde du même bras. Gardez la position. Même chose ici pour les membres supérieurs. On peut maintenir chaque position, peut-être un petit peu moins longtemps, mais au moins un 15 secondes. Et on change de bras. Deltoïde du bras droit. Et on amène le bras vers le haut. Pousse le coude vers le bas. La main, encore une fois, est au centre du dos. On relâche. Portez les bras vers le bas. On prend une grande inspiration. Hop! Et relâche. On fait le plein d'énergie une dernière fois. Hop! Et on relâche. Et vous méritez de vous applaudir à la maison. Bravo! Bravo! J'espère que l'entraînement vous a plu. Vous avez très, très bien travaillé, j'en suis sûre. Souvenez-vous qu'il vous faudra peut-être quelques séances avant d'être confortable avec les routines et avec le step aussi. Pour obtenir des résultats en quelques temps, essayez de maintenir une fréquence idéale de 3 fois par semaine tout en conservant une fréquence cardiaque cible que vous pourrez calculer à l'aide du dépliant inséré dans la pochette du vidéo. Si un de vos objectifs est de réduire votre pourcentage de graisse, n'hésitez pas à refaire ces exercices jusqu'à 5 fois par semaine. Ou encore mieux, alternez les séances step avec une longue marche rapide ou toute autre activité cardio-respiratoire, sans faire de diète. Tout de même, essayez de modifier quelques habitudes alimentaires qui pourraient à long terme faire une grande différence. On se laisse là-dessus, mais j'espère être de nouveau avec vous très bientôt. Ne me rangez pas trop loin. Je ne voudrais pas que vous m'oubliez. Bonne journée! Le segment qu'on entreprend maintenant est un segment cardio de 10 minutes. Et les plus avancés, les postes sont un petit peu plus compliqués, les routines plus complexes. Alors, je vous propose d'attendre quelques semaines avant d'entreprendre cette partie du segment cardio. Alors, attention à mon signal. On va faire 3 pas vers la droite. Et c'est dans 4, 3, 2, on y va. Et vers la gauche. Et à droite. Même chose, on ajoute au bout un tap-up, tap-down, juste ici. Et à gauche, tap-up, tap-down. Encore une fois, attention maintenant, tap-up, tap-down, grapevine vers le centre.
et montez pied droit. Genou A, deux fois, c'est genou. Et repeater, rappelez-vous, un, deux et trois pas vers la gauche. La même chose, tap up, tap down. Vers le centre. Hop, genou up. Ouh. Repeater, dernière fois, c'est un et deux et trois pas vers la droite. C'est parti. Hop, tap up, tap down. Vers le centre. Montez pied droit. Genou up. Et c'est pouce. Hop. Repeater, une dernière fois. Attention. V-step, jambe gauche. Et c'est up, out. Même chose. Encore deux autres. Et turn step pour quatre. Et trois. Encore deux. Et maintenant, Charleston sur la jambe gauche pour quatre. Et pousse loin derrière avec la jambe. Encore deux. Et tap up, tap down. C'est un poney. C'est up. Et en bas. Et up. Et en bas. Deux autres. Attention. Genou up en avançant vers le bout du step. Bien. On contourne le bout. Face au bout. Et montez jambe arrière. C'est parti. Up. Ça va bien? Sylvain, loin là-bas, ça va? Bien. Et T-step. T-step maintenant. Hop. On ouvre. Hop. Et derrière. Hop. On ouvre. Hop. Encore deux fois. Hop. On ouvre. Et une dernière fois. Et genou up. Genou up. Deux fois seulement. Genou. Et repeater. Attention. Genou up. Straddle en avançant. Hop. Et on ouvre. Hop. Et on ouvre une dernière fois. Attention. Hop. Turn face à moi. Et trois pas à droite. Oui, tap up, tap down. Vers le centre. Basic, jambe droite. Genou up. Et lève les genoux. Hop. Un repeater. C'est pouce. Hop. Deux et trois pas vers la gauche. Hop. Tap up, tap down. Vers le centre. Montez pied gauche. Et genou up. Poussez. Hop. Et repeater. Hop. Pousse. Pousse. Et V-step, jambe droite. Hop. Hop. Encore. Bien. Turn step. Et c'est out. Bien. Encore. Deux autres. Hop. Un dernier. Et Charleston sur la jambe droite maintenant. Lève le genou. Loin. Lève le genou. Encore deux fois. Et tap up, tap down ou poney, comme vous le voulez. En bas. En haut. En bas. Très stylé. Genou up en avançant. Et un. Et ça va vers le bout. On tourne le bout. Et face au bout. Montez jambes arrière maintenant pour quatre. Et trois. Oui. Deux autres. Et T-step. Jambes arrière toujours. Devant. On ouvre. Et on retourne au bout. Excellent. Et hop. Même chose. On ouvre. Et une dernière fois. Devant. Bien. Genou up. Au bout du step. Pour deux. Et repeater. Hop. Et deux. Et genou en ouvrant. Hop. C'est un genou straddle. Encore. Hop. Turn face à moi. Et pas droit. On s'en va vers la droite. Hop. Bien, tap up, tap down. Ça va bien? Montez pied droit. Genou, hop. Et hop. Hop. Repeater. Pousse. Et deux. Et trois. Et on voyage vers la gauche maintenant. Hop. Tap up, tap down. Hop. On revient au centre. Montez pied gauche. Hop. Genou, hop. Hop. Repeater. Un. Et deux. Et trois. Et V-step. Un. Encore deux. Et turn step pour quatre. Et trois. Encore deux. Et attention, Charleston sur la jambe droite. Hop. Hop. Même chose, encore deux. Poney up, poney. C'est en haut. Et en haut. Même chose, deux autres. Hop. Et genou up, on contourne le bout pour quatre. En avançant. Trois. Au bout. Deux. Face au bout. Montez jambes arrière. Hop. Et
Encore deux. Hop. Tes steps, jambes arrière. C'est parti. Hop. Straddle. Hop. En arrière. Hop. Straddle. Hop. Encore, encore. Hop. Straddle. Une dernière fois. Hop. Straddle. Genou hop au bout. On y va. Genou. Hop. Genou. Et repeater. 3, 2, genou hop. On avance avec straddles down. Hey, même chose. Hop. Encore un. Hop, turn. Grapevine vers la gauche et hop. Tap up, tap down. Reviens au centre. Hey, hop. Genou hop. Beaucoup d'énergie dans le studio ici. Encore, repeater. 2 et 3 pas vers la droite. Hop, tap up, tap down. Reviens au centre. Montez pied droit. Genou hop. J'espère qu'à la maison, vous avez autant d'énergie que nous. Je vous le souhaite. Repeater pour 3 et 2. 1, 3 pas vers la gauche. Hop. Hey, hey, hey. On revient au centre. Hop, montez. Genou hop. C'est 1 et 2. Repeater. Hop et 2. Et V-step, V-step. C'est out, out. Hop. Encore deux. Turn step. Pour 4. Et 3. Pensez bien à votre posture toujours. Genou hop, pardon. Charleston. Et 3. Ça va mettre ces deux autres. Hop. Et maintenant, tap up, tap down. C'est up. Et down. Et up. Et down. Encore deux. Up. Et down. Et genou hop, on contourne le bout. C'est parti. 1. Et 2. Encore un. Contourne le bout. Montez. Et hop. Bien. Hop. Encore. Hop. T-step. Et on ouvre. En arrière. Bien. On ouvre. Et en arrière. Encore deux fois. On ouvre. Derrière. Même chose. On ouvre. Et genou hop pour deux. Hop. Repeater. Ici, hop. Et deux. Genou en avançant avec straddle. Deux. Un autre. Hop, turn. Et trois pas vers la gauche. Et un, tap up, tap down. Au centre, attention. Montez. Et genou hop. Hop. Fou. Repeater. Attention. Hop. Hop. Et V-step, V-step. Et out, out. Hop. Turn step. Hop. J'espère que vous avez remarqué le style de Sylvain dans le V-step. Charleston. Sinon, vous le remarquerez la prochaine fois. Deux. Encore. Hop. Hey. Tap up, tap down. Pour Betsy. C'est up. En bas. Et up. En bas. Et up. Et genou up. En avançant. Genou up. Et deux. Encore. Trois. Face au bout. Jambes arrière. Hop. Et deux. Même chose. Trois. Et T-step. Hop. Et hop. Une dernière fois. Et genou straddle. Genou straddle. Hop. Et hop. Encore un. Hop. Turn au miroir. Et marchez derrière le step. Marchez hop. Bien. Down. Encore une fois. Hop. Et vous avez très, très bien travaillé. On va contrôler l'intensité de notre travail en prenant les fréquences cardiaques, index et majeur, le long du poignet ou le long du cou. Préparez-vous à compter. Attention. Et go! Pour vérifier l'intensité à laquelle vous vous êtes entraîné, multipliez le chiffre que vous avez obtenu par 6 et consultez le tableau qui est à l'écran. Par exemple, si vous avez 35 ans, vous devriez vous situer entre 111 et 139 battements par minute.